Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour un huitième Let's Play sur Gears of War 4. Et nous continuons notre aventure toujours à l'acte 3. Et oui, ça fait déjà pas mal de Let's Play que je suis dessus, mais bon. Je pense que là, ça va être la fin quand même, parce que elle dure quand même, hein, cet acte 3. Et là, Attention, on a de la compagnie. Sans blague. On a de la compagnie. Sniper, à couvert. Le sniper. Attends, moi j'ai mon arc. Allez hop, on débarras. Hop. Ah, putain. Allez, tu vas crever. Écoute à ma petite grue, quoi. Allez, on peut. Oh, putain, il y a une. Il y a une découpeuse ou une trancheuse, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là. Crève. Putain, ils sont. Évoluer, c'est con. Allez. Reviens ici, j'en ai pas terminé avec toi. Il a réanimé son pote, lui. Eh tiens, écoute ça. Mort, bah oui, tiens. C'est bon, la découpeuse, voilà. Oh, c'est quoi ça? Super. On dirait un mecha, je sais pas quoi. Ouais, il faut faire quoi? Vers la ruche, ouais, ok. Pas un truc à faire que. Oh, un mecha. J'ai toujours rêvé de piloter. Ça, on pouvait te faire ça dans le 3, ça. Ça court? Ouais, ça court. Ah, chargé. Ouais. Riskrad, d'accord. Boum, allez. Tu montes dans le tas. Moi, tu m'étonnes. Je suis un rebellier avec ça, quoi. C'est costaud. Et allez. C'est pas mal avec le petit mecha. Ah, succès. Bulldozer. Vous avez renversé 15 ennemis avec le chargeur. Ah ouais. Mettez-vous derrière moi, je m'en occupe. Il a plus de batterie. Putain, allez, dégage. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont morts. La mauvaise, c'est que le chargeur aussi. Continuons d'avancer, ok? Je viens de penser à un truc. Comment est-ce qu'on va réussir à remonter avec le transporteur? Pourquoi? Tu dis ça parce qu'il brûle? Chaque chose en son temps, d'accord? Allons-y. Ah oui, comment on va faire pour remonter? On va appeler un VR géant. Comme dans le 2. Passez en dessous. Bon, j'ai envie de voir le papounet, ça fait bien 3 let's play qu'on l'a pas revu. Hein. Hey, une minute, vous entendez? Ce serait pas. Si, la radio de mon père.
On doit se diriger droit vers lui. Bah, il serait temps, hein, quand même, depuis le temps. Hé, les gars, je la vois. Tu vois quoi? Ok, cherchons mon père dans l'Écosse. Il est sûrement dans l'une des plus récentes. Vite! Allez, Cumeur! Ok. Ah putain, c'est la première fois qu'on va en affronter un, cette connerie. L'écumeur l'a chopé. D'accord. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je vis, je meurs et je vis encore. Parce que quelqu'un des entraîne avec l'écumeur, ok. Bon, c'est un succès à la con, en plus qu'il est que 5G, comme d'hab. Il est en bonne année en termes de G, celui-là. Oh là là. Waouh, ouais, d'accord. Et c'est là que je vais rentrer dans le bide du monstre. Quoi. Putain, non, me chope pas. Ça me rappelle un peu les acrites dans Lost Planet. D'accord. Dans Lost Planet. Parce que leur point faible, c'est... Oui, il m'a emmené moi, il est en train de me bouffer. Comment je fais pour sortir? Vous pouvez pas me sauver, Cameron? D'accord. Ok, je me pars avec la bestiole. Ok. T'as pas. Vous pouvez pas le buter tout à l'heure, bah, quand j'étais à l'intérieur. Attention à l'explosion. Putain, c'est costaud, c'est con. Hein. Mange ça. Ah ouais. Mais tu réanimes-moi parce que l'autre il va me bouffer. Merde, putain. Hé hey, mais chez vous. J'ai crevé. Je vais mourir encore. Et voilà, je suis encore mort. Putain, sale bête. Bon. Ce sera peut-être les IA qui sont pas terribles là. Où ça? Ah, tu en as marre de la crue. Vite, avec une chope. Eh merde. Putain, mais c'est pas possible. Hé, hey, bombardez-le là. Allez. Ah bah putain. Détends. Oh. C'est là que t'es, il me tue avec les cosses quoi, qui tombent sur la gueule. Putain, salope de merde. Vite, ranime-moi. Putain, mais c'est pas possible. Vous êtes nuls ou quoi là? Putain, d'IA de merde. Ça fait deux fois qu'il me chope quoi là dans la game là. Et voilà. Perdu. Game over. Oh putain. Putain, mais les IA des fois, putain, la gueule. En France, eux, y'a pas de problème, mais c'est moi, bonjour. Putain, donc, je prends une trouille là, tiens, prends ça, allez. Il est où ce con là? Putain, et t'as vu? Sérieux, une touche du. Allez! Putain, c'est pas vrai!
Tu vas vouloir tirer dessus ou quoi là? Il y a que moi qui tire. Qui me touche parce qu'à chaque fois c'est le danger. Allez, et voilà. Mais putain. Alors, à votre avis, dans quel coste se trouve Marcus? J'en sais rien, juste mettons-nous au boulot. Et là, on l'a relativement. Vous cherchez plus? Oh, allez. Ouais. T'as. Chercher Marcus. Sérieusement? Peut-être tu vas toutes les faire et il sera même pas là dans, dans l'une d'elles quoi, tu sais. Normal. On va tous les taper ou quoi non? Bah ouais, mais bon. Oui papa, oui papounet. Ah. Bon. Merci bien. Putain, on va tous les faire et il sera même pas dedans quoi. Il en reste plus beaucoup, hein. Oh, la bonne idée. Putain, qu'est-ce qui te passe par la tête? Bah attends, ils sont aux heures, qu'est-ce que je passe? Pour rigolo. Bon. Peut-être là-dedans. Del, Kate, par ici. Ah, les cristaux. Cette gosse a l'air récente. Ah putain, j'ai fait ça tout. J'ai fait tout ça pour rien, moi. Merde. Oups. Oh merde. Papa. Allez, papa. 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 Mais Marcus. Merde. C'est pas vrai. Bon sang. Allez. Bordel. Respire, putain. Allez, lève-toi. JD. Papa. Lève-toi. Allez, papa, debout. JD, allez, arrête. Il faut que tu l'acceptes. Non. Il est mort. Il fait le faux mort, quoi. Aidez-moi à retirer son armure. C'est dégueulasse. Tu vas bien, papa? On est là. Mmh.
toujours l'odeur. Non. James. Dans la cosse. Je pouvais voir tout leur réseau. Un réseau? Mais quel réseau? Ça, c'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Toutes les victimes dans les cosses. Je pouvais les ressentir. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Ouais, on s'en est rendu compte. Kate. Ta mère. Ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Ta mère est vivante. Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Où est-elle? Sur un autre site funéraire. Pas loin d'ici. Emmène-moi. Non, attends. Les gens de ton village. Je les ai ressentis eux aussi. Pendant un moment. Mais ils s'en sont pas tirés. Oh merde. Oscar. Kate. Je suis vraiment... C'est pas en pleurant nos amis qu'on sauvera ma mère. Très bien. Alors c'est quoi votre plan pour retourner là-haut? Tu vas pas sauter de joie. On va retourner sur l'ascenseur. Ah, la clé 4. Putain. C'était bien long tout ça. Bonjour l'odeur. Marcus, quand t'étais dans cette chose, t'as appris d'autres informations? Les locustes originels, les gros, s'appellent des Sions. C'est eux qui donnent les ordres. Et ils se servent de nous pour former une armée. Et comment on peut les arrêter? On y réfléchira plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver la mère de Kate. Merci, Marcus. Putain, Marcus a un cœur. C'est pas possible. Bon, il avait un cœur, tu me diras, pour lorsque son... Parce que si un petit ago s'est sacrifié dans l'épisode 3. Putain, il y en a un des cailloux. Hein. Ou les cristaux, je sais même pas ce que c'est quoi. Cool. Bon, bon, bon. Et un gros coup de pied là-dessus. Par ici. Et là. Eh bien. Un peu triche là-dessus, là-dedans. Fais chier. Bon, on doit se débarrasser de ces carapaces locustes. Tu m'étonnes. Et avant de décider, on en sort tant qu'à faire. C'est des locus les cristaux quoi. Si tu peux conner. Voilà des rejetons. Et d'après le bruit, ils sont nombreux. Allez, amenez-vous. J'ai un chargeur. Bam, 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 bam. Allez, on y va. Ah ouais. Tiens, viens toi. J'aime bien vous écrabouiller avec ça. Bah, allez, dégage. C'est bon, la voie est libre. Encore des carapaces, pousse-les. Bah oui. Allez. Mais, le chargeur est touché. Oh merde. Abattez cet écumeur. Quoi? Écumeur, c'est le nom qu'on leur... Ah, laisse tomber, c'est bon. Oui, vermine, écumeur, drone... Ça doit aller sur moi. Oh.
Rends-moi mon copain. Rends-moi mon copain. Merci. Oh, merci. Je suis en train de lui tirer. Wow. Casse-toi. Non, casse-toi. Je ne te veux pas. Oh, dégage, toi. Et voilà, ça j'en étais sûr. Marcus, merci. C'est même pas Marcus, c'est JDK. Quand il tire avec ça, c'est une one shot. Hein. Eh merde. Et réanime-moi parce que. Ouais, merci. Ça se fout partout, cette bestiole. Eh, ramène-toi. Mais non. Et merde. On est pas dans la merde. Tiens. Wow. T'es esquivé, toi, là. Casse-toi, cette bestiole. Eh, voilà. Voilà. Il suffisait d'être nombreux pour le buter. Bah oui, merci. Valet pas. Bien, il ne reste plus qu'à trouver le bon tunnel et rejoindre le transporteur. Retourner à la surface, ouais. Vous avez rencontré des problèmes à l'aller? Dans mon souvenir, ça fait une sacrée trotte. Non, rien de grave. On a un moyen de remonter, pas vrai? Oh, oui, bien sûr. S'il marche encore. Drop shot pour... Bon. Attention, vermine droit devant. À qui le tour? Ok. Oui. Attention à l'explosion. Ah ouais. Allez, salut. Mais carrément à l'arc. Il est où l'OTA, c'est du fou, hein. Voilà. Et hop. Ah, il se met en deuxième. Enfoiré, d'enculé. Hey James, ce transporteur, il ressemble à quoi au juste? Il est en feu. En feu. Papa, je gère. Il est en feu. Il était en train de cramer. Ils sont pas fâchés au niveau de l'animation pour monter les échelles, c'est toujours la même. Hé hey Marcus, on a croisé ce type à l'aller, on doit plus être très loin. Ouais, t'es passé par là, je crois. Je sais même plus, j'en connais son du set avant. C'est pas là où il y avait l'armurerie, je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai, on est passé par notre l'expé. Tenez-vous prêts. On a battu. Et voilà. Oh!
Viens, viens, viens. Voilà, ça sent l'embuscade encore. Je prends cette gun là. Là, tiens. Un autre écumeur, vous faites pas avoir. Toute la ruche est à nos trousses. Foiré de merde. Ne laissez pas approcher. Putain, mais voudrait son bidon de merde. Eh, butez-le. Allez, butez-le. Sinon j'ai crevé. Merci. Qui peut me réanimer? Mais papounet, vite avant qu'il s'en aille avec l'autre là. Ah mais moi j'y vais, moi je suis. Heureusement qu'il n'a pas abusé de moi. Oh bah tiens, une flèche dans le cul, c'était bon. Tiens, prends ça. J'ai eu l'écumeur. Occupons-nous des drones. J'en ai eu un autre. Boum. Voilà. D'ici avant qu'il en arrive d'autres. On fonce au transporteur de minerais, vite. Bon, vous avez pas des... Une en deux ans, les... Enfin, les locs, j'allais dire, les locustes. Les... Je sais pourquoi. Allez, allez. Ah. Non, on y a fait quelque chose. J'entends du bruit, hein. C'est que ça vient. Merde, encore des rejetons. Où ça, hein? Ah, c'est là l'armure, oui. Ça va marcher. Ah, tu rigoles, t'étais devant moi. Oui. Attention, des rejetons derrière toi. Mais putain, rejetons. Allez. Prends ça. Un jouet dans ta colle.
transporteur est en haut de ses marches. Courez, allez! Plus vite que... Ah, c'est bon. C'est ça le chemin du retour? Ils arrivent! Kate, avec moi. James, il nous faut un plan. Ok, réservoir. Explosé. Salle de contrôle. Détruite. Brouillez-vous. Par les airs. Intéressant. Mais bon, impossible. Peut-être pas. Mec, contrôle quoi? Hey, j'ai un plan. Petite précision, j'ai pas contribué à ce plan. Tout le monde, chopez-vous un câble. Allez, tirez. Ah. Non. Ah, vous voyez, je vous avais dit que ça allait marcher. C'était pas une bonne idée. Où est-ce qu'il est ? Des étoiles ! Détruisez-les ! Ah oui, c'est là où le flingue il était, il est infini, t'as pas besoin, t'es pas obligé de le recharger. N'importe quoi. La mine est en train de s'effondrer ! J'aurais pu mettre une munition quand même. Oh non 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 ! Oh putain, c'est pas passé loin. Je trouve qu'il se casse la gueule. Oh merde, rappelez-moi qui a eu cette idée déjà. Hé, hey, c'est pas encore là. Détruisez ces points, allez. J'en ai une. C'est pas évident parce que ça bouge en même temps. C'est bon, on est reparti. Oh bordel. Eh non. Ce big délire. C'est moi qui bouge là ou... Ah oui. D'accord. On y est presque. Je vois le sommet. Parce qu'on va y arriver au sommet. Okay. Désactiver les engrenages. Oh. Oh putain, on va se faire bouffer. Allez, allez. Oh putain. Sans blague. On a pu voler finalement. Eh ben putain. Hé hey, papa, tu vas bien? Ouais. Écoute-moi. Avant d'atteindre la prochaine ruche, faudrait envisager des renforts. Quoi? Tu penses à Jean? Non, un ami. Sérieusement, tout le monde sauf lui. Seulement pour ça, il faut faire un crochet. Un crochet? Et si nous on avait fait un crochet avant de te sauver? Kate, je te l'ai dit, ta mère n'est bah pas... Bah ouais, tu serais plus qu'un tas de vieille gélatine. Ou même pire. Ouais, entre nous, difficile de faire pire que de la gélatine. Alors on part la secourir. Maintenant. Papa, c'est sa mère. James, l'autre site fait deux fois la taille de celui-là. T'as été à sa place autrefois. T'avais attendu des renforts? Eh non. Oh, merde. Moi, je crois qu'il allait dire bordel.
pas voir le cimetière d'ici. Il est de l'autre côté du barrage. Venez. Elles sont à qui, les quatre têtes sculptées sur ce barrage ? Personne. Elles représentent les quatre sources d'énergie. L'eau, l'air, le soleil et le gaz. Pas d'émulsion ? Ce barrage a été construit avant l'émulsion. Waouh, c'est si vieux que ça ? Il reste presque plus de vestiges de cette époque. Il y en a encore quelques-uns. Ça c'est quoi ça? Une roue? Ou des engrenages? Quelqu'un dans la tempête? Vous savez, il y a quelque temps, j'ai voulu faire une recherche sur le nombre exact de cimetières locustes. Top secret. Tout ce que j'ai obtenu. Il y en a des dizaines. Peut-être même des centaines. Ils peuvent quand même pas tous être infestés. On va le découvrir, d'une manière ou d'une autre. Oh putain, s'il y en avait beaucoup. Une centaine, comme il le disait. Ça me fait une grosse armée. Donc les Yoku, ils étaient beaucoup plus nombreux que la CGU. Bien. On peut accéder au barrage par cette tour de service. Merde, une rafale. Elle sera bientôt là. Alors allons-y, vite! On a combien de temps avant qu'elle s'abatte sur nous? Pas beaucoup. Vermine! Éliminez-les avant que la rafale nous frappe! On n'a plus beaucoup de temps! Oh putain! Planquez-vous! Merde, merde, merde. C'est grosse trou du cul. Bon. Je regarde vite fait si on peut continuer ou pas. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce 8e let's play vous aura plu. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour un 9e numéro. Okay, oui, déjà 9. Putain, ça fait... Il va y en avoir pas mal de let's play. Hein. Et bon, c'est une grosse découverte. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous 9, comme je le disais. Et je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.